Ok yo, salut tout le monde, c'est Vasto, j'espère que vous allez bien. Donc avant que ce commentaire commence, je tiens à vous dire que c'est vraiment un commentaire fun. C'était genre mini tuto pour savoir comment débloquer la microstation. Mais c'est un tuto surtout à prendre au second degré, même au minième, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc je vais vous laisser sur ces belles paroles la fin du clip. Et moi je vous dis, ciao les gars, à tout à l'heure. Ryan, tu me l'as donné, c'est pas toi. Oh, mais c'est grâce à moi, parce que je lui ai... C'est pas grâce à toi. Yo, salut tout le monde, c'est Bastos, et on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Donc vous pouvez voir la classe que j'ai pris, donc déjà c'est un tuto. Comment débloquer la microstation orbitale. Donc tout simplement, c'est vous prenez une mitrailleuse lourde, vous lui mettez viseur détecteur de cible, hein. Vous mettez silencieux. Donc pour moi, ce qui me concerne, j'ai la MK48, donc c'est une mitrailleuse lourde, hein. Donc j'ai la MK48 avec détecteur de cible et poignard go, mais j'avais pas encore débloqué le silencieux. Donc moi, je vous conseille, vous prenez n'importe quelle mitrailleuse. Là, faites bien attention au score. Regardez, je meurs une fois. Hein. Faites bien attention au score. Vous allez voir, ça va jouer un enjeu capital pour la prochaine manche. Donc vous avez bien vu, je joue à la N. À cette arme, mais moi je vous conseillerais détecteur de cible silencieux, c'est encore mieux, c'est encore plus cheaté, hein. Donc, si vous voulez la débloquer facilement, suivez ça, vous allez le faire. Donc en secondaire, vous mettez ce que vous voulez, je m'en contrefous. En atout, vous mettez fantôme, détermination, robustesse et dextérité, je crois que c'est que j'avais. Enfin, vous mettez ça, et là, après, qu'est-ce que vous faites? Bien sûr, en atout, vous mettez drone brouilleur, blackbird. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez dans une maison, vous bougez plus. C'est tout. Vous bougez plus, puis basta. Ok? Donc déjà, c'est un tuto. Hein, c'est, vous inquiétez pas. Vous êtes sûr d'avoir votre microstation? Bon, certes, ce sera un peu long, mais à la fin, vous finirez quand même par l'avoir. Donc voilà. Donc vous avez vu, je ne vais pas bouger là. Hein. Les ennemis vont vraiment m'insulter. Ça, au passage, il y en a. Sabrine, je sais pas quoi là, enfin le mec qui est là, PSG, il va dire ouais, mais Bastos, il est grave en série et tout, parce que je vais faire que leur sortir des Blackbird. Donc là, je suis déjà en sanguinaire. Vous allez me dire ouais, sanguinaire, super. Enfin, voilà quoi, je vais pas plus m'avancer, je vais pas tout vous spoiler. Hein, donc vous pouvez voir, pour l'instant, je suis parti pour ma microstation. Donc je ne devrais vraiment pas bouger, hein. Je vais garder cette arme, je vais essayer de la garder tout au long du gameplay, parce qu'à la fin, je vais être en manque de balles, c'est sûr. Mais bon. Voilà quoi, donc là, voilà, c'est du pur camp, c'est vraiment, j'espère que ce tuto, déjà de une, va vous aider, et puis voilà quoi, c'est l'un des meilleurs tutos, je pense, pour moi, que je fais, ou sinon aussi, un truc qui est bien, c'est genre, vous prenez le bouclier, vous mettez surarmement, vous mettez silencieux, MKK, enfin une mitrailleuse lourde, silencieux, détecteur de cible, et vous mettez derrière, c'est bon? Avec un trophée, et vous mettez derrière. Vous mettez derrière votre bouclier, ça vous protège, et vous restez, hop, vous visez. Regardez, comme je fais là, je m'allonge, et j'attends. Et vous faites pareil, mais derrière votre bouclier, c'est tout. Donc, voilà. Mais bon, c'est clair que... Voilà, vous l'aurez facilement, c'est sûr, hein. Donc, au passage, j'en profite. Au moins, vous regardez ce gameplay, j'en profite. Il y a eu un patch sur le DSR, je trouve ça vraiment dommage. Ça nous a... On peut plus faire de quoi de finir un. Franchement, vous êtes super cool, mais j'aurais préféré que il nous empêche de se jouer à ces armes de merde, comme vous pouvez me voir à l'écran. Certes, j'y joue, mais c'était pour le tuto, pour vous montrer que c'est super simple. Donc, vous suivez exactement ce que je fais, hein. Vous restez dans la maison, vous restez dans votre coin, vous campez, et puis basta. Vous avez vu là la micro, tu as pas beaucoup. Hein. Donc, je campe, je ne rush pas, j'ai tout mon temps. J'ai attendu Keshuya, je sais pas quoi, là, blablabla. Enfin, vous m'avez compris, j'ai posé la tente. Hein, j'ai posé ma tante. Ouais, j'ai aussi posé ma grand-mère. ok, c'est bon. Pour ceux qui avaient compris, hein, tante, grand-mère, enfin voilà. Je sais, c'était nul. Enfin, j'espère que ça va vous aider. Donc là, vous voyez que j'ai vu tout le monde de chat. Je suis caché pour rentrer. Je dis, c'est parti, on recommence. Et je vais rester comme ça tout au long de la partie. À la fin, vous avez une surprise. Je sais pas si je vais vous mettre une annotation pour aller à la fin ou ce qui a la surprise. Je sais pas du tout, mais. Restez, ça va valoir le coup, hein. Enfin, valoir le coup. Au moins, vous allez voir qu'est-ce que c'est la surprise. Donc déjà, j'espère que le clip d'annonce vous aura plu.
Donc là, je suis bien en sans pitié au passage. Le clip d'annonce que j'ai fait là avec le S12, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà. Donc au passage, je tiens aussi à. Il y en a un qui m'a ajouté sur le PSN car il voulait faire un petit investissement snipe et jouer avec moi. Il s'appelle Dark Cerise. Donc, si tu regardes cette vidéo, bah, je te fais une petite dédicace. Parce que je compte jouer avec lui, certes, mais là, je vais juste arrêter l'appeler parce que ça m'a gavé. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, je suis rouge, je ne prends pas de. Voilà, c'est, je sais pas comment vous dire, hein, c'est le gameplay par lui-même, hein, c'est The Camping Paradis. Voilà quoi, c'est. Si vous connaissez la série, bah j'ai joué dedans. Vous savez, je suis le mec qui se met dans la tente et qui bouge plus. De tout le film. En gros, les mecs qu'on voit pas. Enfin, je vais m'arrêter là parce que vous allez me prendre pour un con, sinon. Même si je sais que je suis en train de déjà passer pour un con, okay. Bah, sauf si tu sors. Non, 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 je préfère rester. D'accord, reste. Non, ouais, j'essaie, je parle à moi-même des fois. Ouais. Donc, je tiens aussi à vous dire que. On est lundi, au moment où je commence le gameplay. Oula. On est lundi et. Oh là là. On est lundi et je tiens à vous dire que je pars samedi ou dimanche pour Lyon. Ouais, je pars samedi, je passe de Lyon, 2 jours chez mon grand-père, de Lyon, oulala, 2 jours chez mon grand-père, et après lundi, je vais à Grèce voir aussi de la famille, enfin voilà. Donc pendant une semaine, vous n'aurez plus de gameplay. Le dernier gameplay que je vais poster, ça sera vendredi. Après, jusqu'à l'autre samedi, vous n'aurez plus vraiment de gameplay. Peut-être je vous posterai une vidéo IRL, mais je prends pas mon ordi car j'avais plein de gameplay de rechange et tout. Mais je peux pas prendre mon ordi, donc là vous voyez je suis à 11-1, je campe pas mal. Et ouais, je l'avoue, et alors? Je comptais prendre mon ordi, mais là où je vais en fait, j'ai pas la connexion, donc même si je prendrais mon ordi, je le prendrais juste pour samedi, dimanche, vous aurez un gameplay pour dimanche, après il aurait fallu attendre, mais je compte pas me prendre la tête, donc je vais vous le poster directement. Enfin voilà. Je tiens à vous dire que vous n'aurez pas de gameplay pendant une semaine, c'est tout à fait normal. Et puis voilà. Au fait, prochain gameplay qui sort, c'est le début d'une nouvelle série à moi. C'est gagner une mêlée générale avec toutes les armes. Donc la première arme sera le TAC 45. J'ai bien galéré, mais j'ai fait une assez bonne partie pour les niveaux qu'il y avait en face. Donc voilà. Après aussi, au passage, j'ai un gameplay que je vais proposer à la Play Comedy Club car c'est vraiment épique. C'est un pote à moi en fait, il m'a filmé quand j'étais en train de rager. Et oui, donc j'ai vraiment pété un câble, vous pouvez m'entendre, je crie comme un porc. Au passage, TT06600 m'avait bloqué à travers une porte, j'ai vraiment crié comme j'en pouvais plus. Enfin, ce gameplay va vous faire rire. Je pense qu'il pourra faire rire beaucoup de gens, c'est pour ça que je risque de leur proposer. Enfin, voilà. Je vais revenir un peu au gameplay, donc vous pouvez voir, je ne bouge plus de cet endroit-là, j'attendais juste que la bombe des amorces soit là. Soit pété, au moins je vais, voilà, je vais me poser dans ce couloir, je vais rester 10 heures fixe, là vous pouvez voir, j'ai eu énormément de chance, et oui, la voiture je croyais qu'elle allait me faire péter avec, j'aurais été assez dégoûté, mais pas du tout, donc là attention à la grenade, Bastos, ouais, je me suis sans gilet pare-balles, faut faire attention, et là, ouh là, j'ai eu très très chaud au passage, donc voilà, donc les Français qui étaient avec moi, ouais, à la fin je leur ai dit que j'étais en train de filmer, bon bah, voilà quoi, ils ont été assez surpris, vous pourrez voir leur réaction à la fin. Et ouais, j'ai bien dit à la fin. J'ai dit à la fin, vous connaissez. Non, je rigole. Et ouais, à la fin, il a fait, oh, mais il était en train de filmer, là, il nous a dit, allez, ciao, goodbye, et tout comme ça. Enfin, vous allez voir, ils sont assez marrants. Ah, par contre, à la fin, ils ont quitté. Donc vous pouvez voir, je joue vraiment comme un noob. Vous pouvez voir. Regardez, deuxième blackboard que j'ai, je suis en impitoyable, donc à 15. Voilà, est-ce que je vais avoir la nucléaire? Bonne question. Bon, sans déconner, allez, pas grave si je vous spoil. Oui, je vais débloquer la nucléaire, mais à quoi? Une seconde de la fin? Vous restez, ça vaut vraiment le coup. À la fin, vous allez me dire, mais c'est pas possible la chance que t'as eue. Si, c'est possible. C'est juste que je suis un gros moulu de la life. Donc voilà, donc au passage, moi j'ai dû faire 2 nucléaires pour débloquer les titres. Et ouais. Oula! J'ai le OK. J'ai dû faire 2 nucléaires pour débloquer les cheats, je n'ai pas compris le bug, mais bon, c'est pas grave. Au passage, je tiens à dire un truc, c'est que je crois que c'est le 6 août, enfin, ça a été confirmé
Triarch, enfin pour ceux qui s'occupent de ce jeu, enfin voilà quoi, ça a été confirmé. Il y a déjà eu un patch pour le DSR50 et le Ballista, bah il y en aura un autre. Car pour eux, ça recharge trop vite. Ouais, donc ils vont refaire un patch. Je crois que ça va être le 6 août ou un truc comme ça. Enfin, ça va être entre le 7 et le 3 août. Ça va être dans ces zones-là. Et ça va être un patch pour le Ballista, car d'après eux, ils l'ont patché. Hein. Mais d'après eux, ils rechargent trop vite encore. Je trouve ça idiot parce que... Voilà quoi, c'est, je sais pas, ils nous mettent des snipers, à la fin on peut plus jouer, on peut plus faire de quoi de finir rien. Voilà quoi, sauf si on fait une collade, sûrement. Mais là je suis vraiment dégoûté de leur part, donc j'espère sur Ghost ils nous feront pas la connerie avec les snipes. On a pu voir, je sais pas si vous avez vu le trailer ou un truc comme ça, ou pas de flash. Sur Ghost, bah il fait... Excusez-moi. Au passage sur Ghost, je sais pas si vous avez pu voir le trailer, mais c'est sûr que on a pu voir un sniper, donc c'est une sorte de sniper combiné genre M40A3, L118A1 et le L80, le N96, enfin voilà, c'est une sorte de combiné avec tout ça. Donc là vous pouvez voir, je ramasse un TDW, je crois qu'il y avait, c'était le camouflage Typhon. Enfin voilà quoi, j'ai pu voir ça, j'espère qu'ils font pas de conneries parce que je l'attends beaucoup. Donc voilà, donc au passage, ouais voilà, implacable au passage. Je compte m'acheter la PS4 à Noël, ouais, et mon pote aura un toucher rectable, ok, Big Up au Rav Contender, c'est dans un clash. Donc là vous pouvez voir, je commence à avoir très très chaud. Je crois que c'est... Attendez. Non, ah, parce qu'à un, j'ai pas parlé parce qu'à un moment les Français ils ont fait ouais, mais il nous a encore envoyé un Blackbird, regarde à combien il est, il doit être 15-20 ou un truc comme ça, mais c'est déjà passé. Donc voilà. Donc ouais, je vais avoir la PS4 à Noël, Lolo l'aura aussi, donc on pourra refaire des vidéos ensemble. D'ailleurs, je suis bien content. Il y a Enos, je crois pas qu'il va se la prendre. Hein. Donc là, vous voyez, j'ai une L7 par terre, je sais pas pourquoi je l'ai pas ramassé. T'as Sam Killer, oui, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, certes. Je crois pas qu'il va la prendre aussi. Donc, bon, déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura... Il y a Thibaut, T06600 aura peut-être, alias Thibaut, aura peut-être la PS4. Ulivix aura la PS4 à Noël, j'aurai la PS4 à Noël, Lolo aura la PS4 à Noël. Enfin, voilà, quoi. C'est sûr qu'on compte vous faire un gameplay cash dessus. Donc, je vous ferai une prochaine vidéo pour... Les informations sur la PS4 et la Xbox One. Donc j'espère qu'elle vous plaira parce que j'ai beaucoup d'informations dessus. J'ai pu suivre la conférence Xbox One qu'ils ont fait Microsoft et aussi qui ont fait la PS4. Donc en giga, voilà quoi, hein, je vous parlerai ça plus ultérieurement. Ça sera confirmé, je vous mettrai des petites images des manettes, mais à mon avis vous les avez tous vu les manettes. Les manettes sont... Il y a un écran dessus, donc ils sont écartés, enfin c'est... Bon, pour nous qui jouons sur PS3, on va trouver ça bizarre, mais c'est pas grave. Enfin, on va s'y habituer, et puis voilà. Au passage, je suis à 24-1, donc en gros, je suis à 24-0. Je suis mort une fois au début, donc voilà. Oui, je vous ai dit que j'allais avoir ma nucléaire, bon bah voilà. Hein. Je vous spoil, c'est pas grave. Donc ouais, au passage, c'est que vous avez vu la charge électrique, vous avez vu à quoi je joue. Sur Call of Duty, ils auraient dû l'enlever, parce que je trouve ça dégueulasse. Vous voyez comme c'est simple ou pas de faire une nucléaire à cette arme. C'est vraiment dégueulasse. Et je l'ai fait quoi? Je vais pas dire easy car j'ai eu à 2 secondes de la fin car j'ai rushé. Mais presque quoi. Hein. C'est... Enfin, les Blackbirds, je les ai eu easy, regardez. Vous voyez? C'est... Voilà, je suis en brutal quoi. C'est d'une simplicité incroyable. Mais l'arme elle bouge même pas, ouais, je viens juste de débloquer le silencieux. L'arme ne bouge même pas et voilà quoi, je trouve ça dégueulasse. Donc le game c'est un tutoriel, donc enfin voilà. Mais je vais revenir aux vraies choses, c'est que c'est un tuto pour déconner, ne prenez pas cette vidéo sérieuse, ok. Si vous voulez vraiment débloquer des Blackbirds, bah vous mettez en soutien les mêmes trucs que j'ai, vous capturez des positions, etc. Mais surtout ne jouez pas à ces armes. Car ça commence à devenir dégueulasse, surtout l'astuce avec le bouclier.
Alors ça, on joue en capture de drapeau. Voilà, là, c'est là où je vais avoir. On joue en capture de drapeau et là, il y a trois mecs qui se sont mis comme ça. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise, hein. Ils se sont mis derrière leur bouclier et ils se protégeaient et puis voilà. Enfin, au passage, j'ai atteint les 250 abonnés. Je suis très fier. Merci à tous ceux qui me suivent. Et puis voilà, donc moi... ah ouais, là vous dites, t'as pas eu la nucléaire, je pense pas. Là je commence à leur parler, écoutez. Ouais, enfin, là moi j'ai pas entendu. Vous allez voir, j'ai eu l'emblème, etc. Au moins je vous mens pas. Puis moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao tout le monde, et pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ah oui, il a fait une vidéo, il a fait ciao les gars. Ah, tu te dis comment?